Rire et pleurs d'enfants à M. La maison de M dans le nord, non loin de Villeneuve-d'Ascq, est sans doute l'une des célèbres maisons hantées de France. Construite en 1939, cette villa aurait été le théâtre de la mort d'un enfant. Depuis de nombreuses rumeurs, font écho de phénomènes terrifiants. Rire et pleurs d'enfants, bruit de pas, etc. Les propriétaires successifs auraient quitté les lieux terrorisés. L'un d'entre eux se serait pendu. On raconte qu'il fut en question de la démolir, mais sans jamais y parvenir en raison de pannes successives du matériel. Une église évangélique avait fini par s'installer sur les lieux dont le pasteur avait fait l'objet d'un reportage diffusé sur Déréquit. Voici le premier témoignage d'une personne. On jouait sur cette maison, oui. J'ai un collègue même qui s'était installé juste derrière la maison, qui vendait du bois, qui était bûcheron. Et il lui arrivait des drôles de trucs. Ça, son bazar, ça a tenu un an. Et lui arrivait des trucs vraiment bizarres chaque fois que c'est... Histoire tragique qui aurait des percussions bien au-delà de la famille. Plusieurs locataires auraient occupé cette maison, prenant tous leurs jambes à leur cou, au bout de quelques mois, voire même y mourant dans des conditions étranges. Des ouvriers effectuent quelques menues rénovations auraient eu une désagréable surprise de retrouver la maçonnerie endommagée après une nuit de sommeil. Jusqu'au rachat dernièrement dans la maison par une assemblée évangélique.